Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai pas fait de vidéo comme ça depuis longtemps. On est au jour 91 de mon défi des 100 jours, saison 10. Cette saison est en train de se terminer. Donc c'est la première fois que je la mets sur Facebook en lien direct, pas sur YouTube. Je la mets sur YouTube aussi pour l'autre communauté du défi des 100 jours. Parce qu'il va se passer des choses un petit peu dingues en ce moment. C'est que déjà, j'ai une grosse date là qui arrive très prochainement. Je ne peux pas encore vous en parler, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Je vous en parlerai vraiment dans un futur proche parce que je crois que ça va vraiment à l'encontre de ce que j'imaginais. Et c'est pour ça que j'essaye de vous motiver en vidéo sur ce genre de pastille un petit peu du défi des 100 jours. Pour vous dire que franchement, cessez de rêver, enfin ne cessez pas de rêver. On va dire une phrase, croyez en vos rêves. Voilà, croyez en vos rêves parce que vraiment tout est possible. Et quand je vous dis que vraiment tout est possible, tout est possible. J'en suis la preuve vivante de ce qui se passe. Alors à mon échelle, à ma petite échelle, parce que je suis pas encore Steven Spielberg, je suis pas encore parce qu'en fait je le fais en fonction de mes croyances et en fonction de ce que je veux. Je veux pas forcément rouler en belle bagnole, je veux pas forcément des gros trucs. Mais voilà quoi, donc du coup c'était une occasion pour faire une petite vidéo parce que là je rentrais de la salle de sport et j'avais envie de vous faire un petit truc comme ça de motivation. Il y a un peu plus de 2 mois je crois avec mon ami Karim Nahal, donc qui est coach en développement personnel, on avait fait notre première conférence, donc on avait quitté pour la première fois notre zone de confort. Et du coup j'ai eu cette envie de vous partager mon intervention pendant cette conférence. Donc la conférence est disponible dans le lien en bas dans la description. La conférence complète qui est donc hébergée par mon ami Karim, que vous pouvez également, vous pouvez prendre contact avec lui parce qu'il est super, c'est vraiment un coach de dingue. Et du coup j'avais envie de vraiment vous mettre cette conférence. Voilà, j'avais envie de vous donner cette conférence, cette intervention là, dans laquelle j'explique un petit peu comment j'en suis arrivé à ça depuis 6 ans, comment j'en suis arrivé à faire du développement personnel, comment j'ai commencé, d'où je suis parti et ce que je fais maintenant. Voilà. Donc du coup, je vous la mets directement en vidéo. Demain, je vais faire un truc qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est pareil, c'était une de mes intentions. Demain, je vais faire mon baptême de plongée. J'ai prévu de faire un vlog parce que c'est prévu dans le truc. En fait, on a un arrangement en fait avec le 400 là où je suis et l'école de plongée qui est à Brive. Donc c'est en piscine, mais c'est déjà extraordinaire parce que ça va ouvrir des portes vers de nouvelles choses et j'ai d'autres projets après par la suite. Je sens que cette année 2018 va être extraordinaire comme l'a été l'année 2017. Et c'est pareil, j'avais aussi envie de vous parler d'un truc, c'est que, alors là j'ai tout mon mois de décembre qui est complet, j'ai plein de projets, j'ai un gros projet sur Brive là, qui arrive, qui va être tourné très bientôt, déjà ça commence vendredi, j'espère arriver à finir ce truc, mais je vais le finir c'est sûr, mais c'est surtout qu'en fait le 13 décembre je reviens voir Lilou Massé à Bordeaux, elle fait une conférence sur son nouveau bouquin, Le défi des 100 jours, sur l'argent et l'abondance. Donc je vais y aller avec mon pote Karim, normalement, on est en train de se décider là et on va partir voir Lilou Massé. Donc vous imaginez pas l'engouement que j'ai et ça. Donc en tout cas les amis, je vous fais de gros bisous, merci infiniment à tous et toutes de me suivre autant, que ce soit sur les réseaux sociaux, en direct. Sur chaque événement, j'ai toujours autant de plaisir à faire des trucs et surtout j'ai autant de plaisir à vous rencontrer, vous qui regardez cette vidéo. Parce que j'ai toujours des compliments des gens, de bravo Vince, continue dans tes trucs, et ça me motive au plus haut point, et c'est un truc de dingue, et j'adore ça, et je continuerai à le faire, et c'est pour ça, merci pour tout cet amour que vous m'envoyez, donc je vous renvoie autant de tout cet amour, je vous dis merci à tous et toutes. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous, pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager si ça vous plaît aussi, à commenter, à vous abonner sur la chaîne YouTube qui est dans la description également, si vous voulez suivre les prochaines vidéos, et puis moi je vous laisse sur la conférence. Let's go, bye. Donc maintenant, je vais accueillir Vince. Et en fait, Vince, j'ai voulu qu'il intervienne parce que c'est un gars que j'apprécie énormément et que il est en train, son business est en train de se développer de plus en plus. Et c'est quelqu'un qui n'a même pas passé de diplôme, de ceci, de cela. Il a fait son truc, il a fait son chemin. Il a fait son chemin, et là, aujourd'hui, il est en train d'exploser petit à petit. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as jamais lâché l'affaire. Ça n'a pas toujours été facile, il est parti de... Tu connaissais quelque chose, tu vas nous expliquer un petit peu plus. Tu connais mieux l'histoire, donc installe-toi, vas-y. Donc je te laisse le micro. Toi, t'as la même taille, c'est nickel. Voilà.
Bon voilà, vous avez affaire au petit coach, le grand coach à côté. Non, je ne suis pas coach du tout en fait. Donc je vais vous expliquer. Donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui me connaissent ici. Merde. Donc je m'appelle Vincent. Je suis dans le développement personnel depuis bientôt 6 ans. Donc avant toi Karim, je crois. Voilà, mais on est tous dedans de toute façon. Alors moi je vais apporter peut-être une approche un peu plus spirituelle et un peu plus physique du développement personnel, parce que il y a 6 ans en fait, alors moi l'avantage que j'ai, c'est que j'ai réalisé mon rêve, qui est de devenir réalisateur. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire des films. Et en fait, je fais ça maintenant, j'en ai fait mon métier. Donc ça, c'est très bien pour moi, ça m'arrange. Alors, excusez-moi, j'ai rien préparé, hein, donc je quitte ma zone de confort moi aussi. Mais on va parler après de ce qu'on a fait ensemble avec Karim, ce qui est assez exceptionnel. Donc du coup, il y a 6 ans, en fait, je faisais mes études en licence. Je faisais d'abord un BTS. Et puis, j'ai découvert des choses. Alors, parler tout à l'heure, c'est Cindy, c'est ça ? Tu parlais de Lilou Massé tout à l'heure. Donc Lilou Massé, alors moi j'ai toujours été passionné par tout, hein, autant les films que tout ce qui est développement personnel, j'ai touché un petit peu à tout. Je parle de développement personnel les gars. Ouais, d'accord ? Je vous attends au virage. Et en fait, je m'intéressais un petit peu à l'hypnose à cette époque, et je me suis dit je vais rester focus sur l'hypnose. Et je voyais sur la barre de YouTube, il y avait des suggestions de vidéos. Il y avait ce qu'on appelait la loi d'attraction. J'ai dit, non, je vais rester dans mon truc, je vais rester focus dans ça. Mais je n'ai pas résisté, donc j'ai cliqué dessus. Et puis j'ai trouvé cette pratique qui était un petit peu bizarre. Je me suis dit, c'est quand même trop beau pour être vrai, de pouvoir accomplir tout ce qu'on veut dans la vie. Mais je m'y suis intéressé. J'ai regardé un petit peu donc Lilou Massé, qui est une intervieweuse française qui fait des documentaires sur le développement personnel. Et je regardais aussi le film Le Secret. Et ça, je vous en parlais après. Je suis en train de m'en mêler un peu là, mais tu vois, c'est pas mal. Mais c'est vraiment l'histoire qui s'est passée comme ça. Donc je me suis intéressé à ça, mais j'y connaissais absolument rien. Je savais au fond de moi, je savais quand même qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. Je pouvais y croire. Mais c'était quand même trop beau pour être vrai. Puis j'étais très cartésien, très... Non, c'est pas possible. Et donc la loi d'attraction, je vais vous expliquer en fait ce que c'est. C'est le fait que tout ce que vous allez penser dans la vie, vous allez l'obtenir. Donc c'est un petit peu en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure, on est responsable de sa vie. Mais là, c'est directement lié en fait au cerveau. En physique quantique, alors on en a entendu parler il y a déjà 2000 ans dans tout ce qui était religion bouddhiste, même les religions chrétiennes en parlent, sauf que c'est beaucoup plus subtil. Religion musulmane, juive, toutes les religions en parlent. Et ça devient maintenant, ça commence à émerger ça commence à venir maintenant à nos oreilles, même par les médias et tout ça. En fait, pour expliquer, c'est que... Ouais, excuse-moi. En fait, En fait, pour faire bref, la science a prouvé que... Donc c'est palpable, c'est mesurable. La science a prouvé que avec nos émotions, on dégage certaines ondes, comme des ondes radio. C'est prouvé scientifiquement. Donc, et... Quand on a certaines émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va attirer des personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire que nous. Donc, la loi d'attraction, en gros, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, que vous avez vraiment envie de quelque chose avec émotion, vous allez l'attirer. Moi, personnellement, j'y crois, mais rester dans son canapé... Et penser avec mettre les émotions et attendre que la belle voiture ou peu importe la bonne personne arrive, j'y crois pas trop. Par contre, je suis convaincu que quand on met l'intention qu'il faut, on y met les émotions qu'il faut, et quand on a vraiment, mais vraiment, vraiment envie de quelque chose dans la vie, mais vraiment avec émotion, et vraiment y mettre tout son cœur, et qu'on met les actions en place derrière, là oui, on peut atteindre des choses qui sont... plutôt bizarre. Voilà. Mais c'est là où, en fait, j'en viens à ce que Karim disait. Cette pratique de la loi d'attraction, il y a trois choses. C'est demander, croire et recevoir. Donc là, c'est très complexe. Il y en a beaucoup qui vont regarder le film Le Secret. Donc regardez-le, ce documentaire, il est gratuit maintenant. Enfin, il est gratuit. Vous pouvez le trouver même en librairie, vous pouvez le trouver sur YouTube. Ce film est magique, en fait. Il a été diffusé il y a 10 ou 15 ans. Quand même, il y a eu le livre Le Secret qui est sorti avec.
on n'apprend pas tout dans ce livre, en fait. On n'apprend pas tout dans ce film. Quand on voit ce film, on se dit, c'est bon, je peux avoir ce que je veux dans la vie. Et puis 99% des gens qui ont vu le film n'ont jamais réussi à avoir ce qu'ils ont pensé ou parce qu'il leur manquait certaines clés. Et c'est vrai que Karim le disait en coaching, il faut agir. C'est-à-dire que vous pouvez penser à quelque chose en se disant, bah, je vais avoir une belle bagnole, je vais avoir la fille de mes rêves, je vais avoir le métier que je veux, mais je vais rester dans mon canapé puisqu'on m'a demandé de demander de croire. Donc vous allez attendre comme ça et puis vous pouvez toujours attendre. À moins vraiment d'y croire, d'avoir une foi inébranlable comme on dit, mais ça c'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes les croyances qu'on a depuis notre temps d'enfance, même de toutes les personnes qu'il y a dans notre entourage, on peut pas se dire en un claquement de doigts on va avoir cette belle voiture ou n'importe quoi, il faut agir. Mais l'avantage avec cette loi d'attraction, c'est que quand on comprend le mécanisme, on s'en sert pour justement s'appuyer sur un concours de circonstances qui vont amener à obtenir ce que l'on veut. Et c'est comme ça que depuis 6 ans, en fait, je construis ma vie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là pour le témoigner. Non, pas du tout, non. Non, c'est vrai que j'en parle pas du tout. C'est vrai que... Non, mais ça se voit pas en plus. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est même pas du... je sais pas comment vous dire ça, mais c'est beaucoup de choses, en fait, que j'ai pensé, même que j'ai écrit. C'est-à-dire que moi, j'ai des livres chez moi, des pages entières, des traitements de texte entiers avec ce que j'ai écrit et qui sont réalisés. Donc, c'est... alors, je suis allé le chercher, bien sûr. Je suis allé le chercher, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu louches. Et quand on n'y croit pas en ça, on se dit non, c'est pas possible, ils nous racontent des bobards ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que pour avoir vécu l'expérience et la vivre encore au jour d'aujourd'hui, alors c'est très frustrant parce que quand vous savez que vos pensées contrôlent votre vie, vous dites à chaque pensée, ça y est, va se passer quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui me bouffent la vie sur ça. Mais quand on sait après comment les interpréter, on se dit que c'est normal en fait. On suit le flot, on suit la rivière, on lâche prise et puis... Donc toi, tu as utilisé ça en fait chaque jour de ta vie en fait, c'est bien ça? Et je l'utilise encore. Je l'utilise, je me suis visualisé cette conférence. Bon, je me suis peut-être pas visualisé le flop que je suis en train de me prendre là. Mais voilà, dans l'idée, oui, je me suis visualisé le fait, peut-être pas sur cette chaise non plus, mais d'être autour de cette assemblée, d'avoir autant de monde quand même, parce que c'est une première conférence. Et voilà, pour moi, en fait, la vie est juste magique. En fait, je m'appuie sur des choses autant positives que négatives. Même les choses négatives, pour moi, elles sont positives. Et j'ai même des amis autour de moi qui me disent « Mais comment tu fais pour être aussi positif alors que, je sais pas, je vais avoir un pneu crevé et je vais me dire « Mais c'est pas grave. » Et ouais, mais si, c'est grave, regarde, t'as loupé ton rendez-vous. » Je dis « Oui, mais j'ai peut-être loupé un accident, j'ai peut-être loupé quelque chose, j'ai peut-être loupé une mauvaise rencontre. » Il faut savoir relativiser sur des choses. Et le fait de relativiser sur ces choses-là, ben, déjà, vous restez positif, vous êtes positif et puis vous arrivez des belles choses. Okay. Et donc, quand tu as... Quand tu as voulu commencer donc dans le montage vidéo, dans les événements, dans tout ça, au tout départ, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ah ben, j'étais tout excité de savoir que ça pouvait se réaliser, donc j'étais vraiment comme un enfant en fait, et je pouvais me permettre de rêver en fait. C'est-à-dire que j'avais aucune base en vidéo. Et bon, je suis quelqu'un de très sociable, c'est-à-dire qu'on va me poser dans une foule, je vais arriver à me faire au moins 2 ou 3 amis, donc ça c'est pratique. Puis après, ainsi de suite, arriver à discuter avec plusieurs personnes. Et ça a commencé juste dans un bar de nuit, à vouloir boire des coups, comme tout le monde je crois, le soir. Non, je suis tout seul, ok, bon. Donc en fait, je faisais mes études à côté, et puis je me suis dit, il y avait un DJ qui venait le soir, et puis bon, j'avais un petit caméscope, je faisais un petit peu de vidéo chez moi. Puis je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse, en plus il y avait des stripteaseuses ce soir-là, est-ce que ça t'intéresse une vidéo, voilà. Que pour le côté professionnel, bien sûr, voilà. Et je lui ai proposé ça, et puis il m'a dit, bah, écoute, vas-y, quand c'est gratuit, tout le monde accepte, bien sûr. Ça, mais c'est marrant. J'ai lancé en fait la machine comme ça, en faisant un petit film qui, quand je le re-regarde à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? C'est pas mon niveau, mais j'ai commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai acheté un appareil, donc vraiment avec mes économies d'alternance à l'époque. Et puis ce DJ m'a amené dans une boîte de nuit, m'a fait rencontrer un DJ international. Ce DJ international m'a fait rencontrer Martin Solveig, m'a fait rencontrer, je sais pas, dis-moi qui j'ai rencontré. Il y avait Koé aussi, mais ça c'était pour un autre truc, parce que c'était un patron de boîte pour mon anniversaire qui m'a dit, tiens, tu nous fais des vidéos, viens je t'invite, tu manges avec Koé avec nous.
Voilà, mais plein de petites choses comme ça où j'ai participé à des gros festivals, j'ai fait des rencontres qui pour moi n'étaient pas le fruit du hasard en fait. Et encore même récemment, notre rencontre avec Karim qui était juste extraordinaire parce que Karim, ça fait 2 mois que je lui cours après en fait. Il était grand, tu fais des grandes enjambées. Voilà. Et Karim, en fait, moi je me suis toujours dit, je fais de la vidéo, mais j'aimerais bien aussi inspirer les gens. J'ai une chaîne YouTube à côté sur Défi des 100 jours, je ne sais pas si tu connais. Voilà. Donc c'est pour ça les grands esprits se rencontrent sur un heureux hasard en plus. Comme je dis que je ne crois pas au hasard, c'est marrant. Et le défi des 100 jours, ça fait 10 saisons que je le fais. Donc c'est un défi que Lilou Amassé a mis en place. On se pose des intentions. Chaque saison, une saison de 100 jours, on pose des intentions et on applique ces intentions, on essaye d'appliquer ces intentions en fait et de les réaliser à la fin des 100 jours. Si on les a pas réalisées à la fin des 100 jours, c'est pas grave, on passe sur la saison 2 et ainsi de suite. Ces saisons ne s'arrêtent jamais en fait. Et on s'impose de faire par exemple, d'écrire un article pour partager ça avec la communauté du défi des 100 jours, parce qu'on est plusieurs à faire ça. On dirait une secte un peu, tu sais, le truc. On y a cru au début, mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu, et puis chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut, donc ça, c'est très pratique. Et les gens s'aident, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui aiment partager avec des gens qui sont dans la même longueur d'onde qu'eux. Et dans ton parcours, est-ce que tu as eu des doutes dans ton parcours ? J'ai encore des doutes, des fois, ça m'arrive. Et puis... C'est humain, mais j'arrive maintenant à prendre, à sortir, comme tu disais, de cette zone de confort, à éviter le regard des autres, à me dire, il faut tomber de toute façon pour se relever. Aux États-Unis, ils ont cette philosophie de vie, on l'a pas en France malheureusement, qui est que si une entreprise se casse la gueule, ou même un patron se casse la gueule, c'est bien pour lui. Il faut qu'il se casse la gueule. En France, on se casse la gueule, personne ne nous récupère et nous ramasse. Vous avez une fermeture avec les banques, et c'est pas cette politique-là, parce que les Steve Jobs, les Bill Gates sont forcément cassés au moins la gueule une fois. Et vous vous rendez compte quand même que Steve Jobs s'est fait virer de sa propre boîte. Steve Jobs, qui est le patron de Apple, s'est fait virer à une époque de sa propre boîte. Et c'est sa propre boîte qui l'a rappelé parce qu'il manquait, quoi. Et qu'il avait créé les studios Pixar. Enfin, il avait produit les studios Pixar qui ont fait un très très gros film qui s'appelle Toy Story, qui a super bien marché. Donc du coup, quand on a un Steve Jobs qui tient un peu les rênes, et ben on se dit merde, on a peut-être fait quitter quelqu'un. Il a peut-être quitté le bateau un peu trop vite. Et si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui aurait envie de vivre sa vie, mais dans n'importe quel domaine que ce soit. Vraiment, qu'elle a envie de... Tu vois, une personne qui a vraiment envie de se dire, bon, écoute, maintenant, ça y est, stop. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie. Quel conseil tu peux lui donner ? Ben, fonce. Fonce, crois en tes rêves, parce que, comme tu disais tout à l'heure, les personnes qui ont créé des avions, qui ont créé des choses... qu'on se sert de tous les jours, c'est parti d'une simple idée, c'est parti de quelque chose qui était là et qui a été matérialisé. Donc, comme moi, je pars du principe que la pensée est créatrice, dans tous les cas, foncez, vous n'avez rien à perdre, et puis si vous chutez, vous vous relevez, vous faites autre chose, voilà. On a des milliards de possibilités, de potentialités autour de nous, et ça, c'est plus centré vers la physique quantique. Maintenant, on tend à... Je vais être très long dans mon intervention, mais... Tu m'as piqué ma place au début, alors... on tend à l'expliquer maintenant avec la physique quantique que un atome, en fait, c'est pas dur, c'est pas ça. En fait, ça, c'est composé d'atomes. On dit que c'est dur, donc l'atome est dur. En fait, non, l'atome à l'intérieur, c'est vide, c'est de l'énergie. Donc, quand on voit que ça, c'est constitué d'atomes, que nous, on est constitué d'atomes, que l'atome est constitué d'énergie, on est constitué de quoi ? Bon, voilà. L'énergie, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se transfère, qui bouge, qui est toujours en mouvement. Donc, on est toujours en mouvement, en fait. Et on est en mouvement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de l'univers et tout ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, on rayonne à certaines fréquences. Et quand on n'est pas aligné avec quelqu'un, quand on n'est pas aligné avec quelque chose, on le voit, en fait. On est sur une longueur d'onde différente. Et il y a forcément quelque chose qui ne va pas aller. Quand on est en résonance avec quelque chose ou quelqu'un, forcément, on attire cette chose-là. Et c'est ce qu'on apprend en loi d'attraction, que l'on est des aimants. Donc, quand vous allez penser à quelque chose et que vous allez être en résonance avec ce qui est possible d'arriver dans votre vie, parce que c'est des milliards de possibilités qu'il y a autour de nous,
vous allez vous mettre en résonance et vous allez du coup attirer cette chose-là à vous. Ou alors attirer un concours de circonstances qui amèneront à cette chose-là. C'est un petit peu compliqué, je pense, cette philosophie de vie, mais je pense que ça pourrait faire le sujet d'une conférence un peu plus détaillée avec du coaching aussi, si ça vous intéresse. Parce que c'est des choses assez... vous verrez dans quelques mois, quelques années, on en parlera très souvent et puis ça va être bien. Ça va être très très bien. T'as d'autres questions ? Non, c'est bon ? Alors, qu'est-ce que... Oui, je... Mais non, parce que tu m'as coupé tout à l'heure. Moi, je parlais de toi, je te parlais, je te valorisais et tout et tu me coupes la parole. Ok, ok. Karim, oui, donc comment j'ai rencontré ? Belle histoire. Je voyais des cartes à la salle de sport Elancia où je suis. Et voilà, comme je disais, j'avais envie de me mettre dans le développement personnel. Et puis là, je vois coach en développement personnel, une belle carte de visite. D'ailleurs, il faudrait que je te les refasse parce qu'elles sont... Il faudra que je te fasse des cartes de visite. C'est gratuit. Ah, mais voilà, on parle toujours du gratuit, voilà. Non. Et donc, je me suis dit, il faut que je le rencontre, ce gars-là. Il est sur Brive, il faut que je le rencontre parce que je suis dedans. Il y a quelqu'un qui est dedans aussi. Ce serait bien qu'on soit dedans tous les deux. Voilà, je vois, c'est quoi ce petit sourire là, je sais pas. Et puis après, un mois qui se déroule, et j'entendais toujours parler de ce Karim, Karim par-ci, Karim par-là, et puis un jour j'y ai pensé, et j'en parlais avec un client à moi qui est maintenant un ami, Johan, qui est là, et je lui parlais de Karim, il le connaissait, il m'a dit, il faudra que je te le présente, il me fait, tu veux faire quoi avec lui? Ben, je lui dis, écoute, moi je suis dans la vidéo, est-ce que ça l'intéresserait? Donc il lui parlait en même temps. Je sors de son magasin, et là sur qui je tombe nez à nez, alors que ça faisait un mois que je courais après, il fallait juste que j'y pense dans la journée et que je parle de lui pour tomber nez à nez avec lui. Donc ça, c'est pas la seule coïncidence qu'il y a eu. Non, c'est pas le hasard, c'est des coïncidences. Alors j'ai appelé Johan pour lui dire, devine avec qui je suis, je sais pas. Karim qui répond... Oh, quelle coïncidence, c'est bizarre. Bon, je rentre chez moi, et puis l'après-midi, je me dis, je vais aller à la salle de sport. Je vais aller en parler à mon pote, le coach d'Elancia. Je vais lui raconter ce qui m'est arrivé ce matin. Je prépare mon discours intérieur, je me dis, il faut que je lui dise. Et puis là, je vois le coach qui est en train de parler avec un autre coach. C'était Karim à ce moment-là dans la salle de sport. Je lui dis, je n'ai pas réussi à l'avoir d'une seule fois pendant un mois, et là, je le vois deux fois dans la journée. Donc c'est pour ça que... C'est plein de choses, en fait. Moi, quand je vous le raconte, c'est pas perçu pareil vis-à-vis de votre ressenti à vous, de votre observation. Mais quand ça m'arrive, je l'ai appelé juste après, c'était quand même assez, assez ouf. Mais c'est bon, une belle rencontre, quoi. Un truc sympa. Eh ? C'est... Et ce gars-là m'a fait faire des choses de ouf. M'a fait faire des choses de ouf, quand même. Comme quoi, comme sortir d'une zone de confort, de ma zone de confort, et surtout de me relever un petit défi, un petit challenge assez dingue. Je fais beaucoup de vlogs, je fais beaucoup de vidéos dans la rue. Non, j'en faisais pas avant. Je fais beaucoup de vidéos de ce que je fais comme activité pour essayer de partager ça et inspirer les gens dans mon activité et surtout dans ma façon d'être, dans ma philosophie de vie, de pourquoi je fais tout ça, comment j'y arrive. Alors j'explique un petit peu comment j'ai réfléchi à ça pour après arriver à la finalité, montrer l'événement, dire, regardez, je suis avec Bob Sinclair, j'y ai pensé ce matin, je vous l'ai dit en vidéo, j'essaye d'inspirer les gens comme ça en vidéo et leur montrer que tout est possible, tout est réalisable. Et il m'a vu, Karim, une fois, sortir de chez moi, de mon appartement, dans une ruelle de Brive à 7h du matin et de parler doucement. Et je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde... Et puis on boit un café ensemble, et là il me dit, dis-moi Vince, t'aimes bien faire des vidéos dans la rue? Non, enfin, ça se voit. il m'a dit, écoute, je vais te lancer un défi, tu vas te filmer. Là, on était à la Panetière, vient beaucoup de monde autour, il m'a dit, tu vas te filmer là, tu m'avais dit 20 secondes. Tu filmes 20 secondes, tu la diffuses même pas sur internet. Je dis, ouais, non, mais là j'ai pas mon iPhone, ouais, cherche-toi des excuses, vas-y, encore. Et j'ai dit, écoute, on va faire un truc. J'avais mon iPad, et là je me filme, et là je vous dis pas la déconnexion totale en fait. Je suis sorti de ma zone de confort, et puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Les gens autour, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils vont regarder sur le moment, ils vont voir, ah c'est marrant, le mec est très narcissique,
Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, ils me connaissent pas. Alors après, quand ils me recroisent, ils se disent « Ah, c'était toi, voilà. » Mais non. Et je lui ai dit « Écoute, je vais même la diffuser, cette vidéo. » Donc je l'ai montré, j'ai diffusé cette vidéo en disant « Merci Karim pour ce que tu m'as apporté, parce que franchement, j'aurais jamais fait ça. » Alors en 20 secondes, c'est très long. On a fait 30 secondes, je crois, même une minute, on est passé au-delà du truc. Et puis maintenant, je fais des vidéos comme ça dans la rue. Même la dernière fois, j'étais à la gare. Il y avait du monde autour. Et puis, j'ai même remercié Karim dans ma vidéo. Et je lui ai dit, regarde, il y a du monde autour, ils s'en foutent. Et ça m'a débloqué. Et là, on a des défis à se mettre en place tous les deux. Et c'est encore plus ouf. Voilà, comme quoi... C'est moi qui te remercie. Comme quoi, on a tendance à se bloquer pour des petits trucs, pour 20 secondes de vidéo. Vince, il se trouvait des excuses, pas le bon téléphone, pas le bon truc, enfin je sais pas, j'y connais rien là-dedans, mais voilà, toujours pas, toujours des excuses. Et des fois, il suffit de débloquer juste un tout petit truc, comme là, c'était vraiment un petit truc, mais t'as gagné combien de temps avec... enfin, on peut pas savoir combien de temps t'as gagné, mais... Franchement, est-ce que tu ferais des vidéos en public comme ça? C'est ça qu'il faut savoir, c'est que le coaching va vous permettre de débloquer certaines choses. Après, c'est des choses qui sont plus ou moins conscientes ou inconscientes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous des choses à débloquer. Donc le coaching va vous permettre de débloquer toutes ces choses. Et moi, ça m'est déjà arrivé de coacher certaines personnes, bon, elles ne sont pas là ce soir, mais c'était tellement enfoui dans leur subconscient que la nuit, il y avait des scènes, alors malheureusement, c'est que de ma parole à moi, mais il y avait des scènes qu'ils avaient vécues en étant plus jeunes, en étant enfants, qui sont revenues durant la nuit. Donc ça, c'est juste... Malheureusement, la personne n'est pas là, c'est que ma parole. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a certains comportements par rapport à notre subconscient. Et notre subconscient, il nous dit, lui, tout ce qu'il veut, lui, c'est se défendre. Qu'on soit heureux ou malheureux, lui, tout ce qu'il veut, c'est se défendre, c'est-à-dire être dans sa petite zone de confort. C'est pour ça que les gens qui sont déprimés, souvent, ils font pas grand-chose. Ils restent dans leur dépression, ils restent dans leur truc, parce que c'est beaucoup plus facile. Parce que ça demande beaucoup plus de courage d'affronter sa dépression, d'affronter ses moments difficiles. Lui, le subconscient, il veut quoi? Lui, le système nerveux, c'est ça, lui. Il veut rester tranquille, il veut pas qu'on le bouscule. Même si la personne est heureuse ou malheureuse, il veut rester dans son petit truc. Donc, à partir du moment où on arrive à trouver la source du problème, et la vraie source du problème, c'est pas d'aller discuter avec la personne, dire « Oui, mon mari me fait ci, ma femme elle est chiante, elle m'énerve tout le temps. » Et en général, j'ai déjà vu ça, la personne avec qui on va parler, ça va pas forcément mieux elle-même dans son couple. Hein, ça m'est arrivé aussi. Et quand on arrive à débloquer ce truc-là, là, vous allez voir que votre comportement va changer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre comportement va changer, vos actions vont changer, vos résultats dans votre vie vont changer. Donc, c'est pour ça que il attend avec sa caméra. Vas-y, je te laisse, vas-y. Parce que du coup, on va sortir de notre zone de confort. Salut à tous, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, là, je le fais pour tout le monde. Et donc, on est à notre première conférence. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Oui. Donc ça, c'est Karim. Ben, présente-toi. Voilà. Enchanté, je m'appelle Karim, je suis coach. Et voici mon ami Vince. Voilà. Et regardez derrière, on a pas mal de monde. On peut les applaudir. Voilà. Parce qu'il y en a plein de personnes que je connais pas ici et je peux très bien me taper la fiche en quelque sorte devant ces personnes-là. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus en fait? J'ai fait ça la dernière fois sur une première intervention dans des personnes que je connaissais pas. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des personnes qui sont dans le milieu d'entrepreneuriat, qui sont plus âgées que moi, qui sont assez frustrées. Quand je suis arrivé en tant que formateur devant eux, je me suis senti un petit peu les pépettes. Et puis j'ai fait exactement la même chose, j'ai pris ma caméra, et ces personnes-là maintenant suivent mes vidéos, suivent des choses, et ils me disent « Bravo Vince, t'as passé un cap en fait. » Et je trouve ça super beau en fait. C'est pour ça que je me suis dit, moi, des conférences, je ne suis pas dans ça à l'origine. Ce n'est pas mon boulot. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience avec Karim.
On a cherché, il voulait faire des conférences, j'ai voulu tester de faire des conférences. On a trouvé cette salle, on a trouvé ce public, qui est juste fabuleux. Non, je rigole. Non, franchement, déjà, c'est gentil d'être venu aussi. Voilà, je voulais vous le dire. On peut l'applaudir.